Bonjour tout le monde, c'est le Caribou Canadien qui vous parle, j'espère que vous allez bien, parce que moi je vais super bien. Oh yeah! Allez, on continue l'aventure de Messenger, live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Bon. On va voir que ça va donner. Ah, le grappin. Oh, God. Ok, je comprends le principe. Salut Théo. Fait que je me pognais sur le... Ah, c'est beau. Ouais. Ah, putain, j'ai pas vu celle-là! Ah. Jamais touché à mon armoire. Qu'est-ce que vous faites ici? Ah oui, l'heure de la grande révélation est venue. En effet, très cher aventurier, tu te téléportais dans cette salle depuis le début. On est où alors? Dans la tour du temps. D'accord, et donc... On est où? La bonne question serait plutôt, on est quand? Mais de toute façon, j'aurais du mal à y répondre puisque la tour voyage dans le temps. Elle se révèle aux messagers qui sont dignes pour les mettre à l'épreuve afin de les envoyer là où ils seront le plus utiles. Et elle va m'envoyer où? Quand elle t'enverra dans l'époque qu'il y a le plus besoin d'un messager. Enfin, si elle te tue pas avant, évidemment. Besoin de quelque chose? Histoire utile! Une petite histoire à me raconter. Avec plaisir. Il était une fois une terre couverte de marécages. Les marécages étaient infestés de monstres maléfiques. Sommeillant sous l'eau durant la journée, ils étaient sous la surveillance de la lune pendant la nuit. Quand elle était d'humeur à se montrer, puisque la lune était libre de traverser l'espace et avait souvent envie d'aller briller sur d'autres univers. Un jour, que la lune s'ennuyait, elle décida de se rendre dans un marécage sous une forme humaine. Vêtue d'une cape opaque qui lui empêchait sa lumière de filtrer, elle espérait apercevoir les monstres. La sérendipité voulut qu'elle aperçoive un homme tentant d'échapper à un groupe de monstres. Sûre de son pouvoir sur eux, elle retira sa cape, créant ainsi un halo protecteur et la faveur duquel l'homme parvint à s'échapper. Néanmoins, en se retournant, il s'aperçut qu'elle avait remis sa cape un peu trop tôt. Les monstres la capturèrent et l'enfouirent sous un rocher afin qu'elle ne puisse plus jamais briller la nuit. Le monstre leur apporta un dré.
Mais le survivant, accompagné de leurs plusieurs paysans, retourna sur les lieux et ensemble, ils soulevèrent le rocher et libérèrent la lune. Le lien qui se tissa ce jour-là entre les hommes et la lune est de ceux qu'on ne peut de faire et en guise de remerciement, elle décida de devenir leur protectrice. Depuis lors, elle guide les voyageurs dans l'obscurité de la nuit. Enfin, elle m'a plu celle-là. Elle parle du pouvoir de la coopération, n'est-ce pas? Peut-être. À la vérité, j'avais juste très envie de placer le mot serendipity dans une histoire. On est déjà... L'arrêt du Québec vient déjà de nous trouver sur Twitch, mon ami. On est là présentement, viens me supporter. Et mais là... Ah, mon par en haut, la pancrétache, je savais plus y aller. Hey, t'es chez le caribou, prends ta chaise pis regarde-moi, hein! Thanos. L'arrêt du Québec, bienvenue à la tribu du caribou canadien, mon ami, ça fait super plaisir de t'en follow. Oh yeah! Ah oh, ben, quand... On joue présentement un jeu québécois en plus. Ah, c'est ça en bas qui fait que ça... Je viens de comprendre. Zut. Je comprends pas pourquoi des fois c'était allumé, mais des fois c'était pas... C'est... J'ai jamais vu que l'affaire se promenait en bas. Bon. Ah, la petite maudite. C'est un jeu qui est dans le Xbox Game Pass. Ah oui, colique. C'est pas ça. Ok. Bon. On est presque à la fin, là, je pense. En tout cas, en avant. Ben, peut-être pas, je sais pas. Je pense. Oh. Cabochon.
Oh mon dieu! Pourquoi le diamant est là? Ah, le diamant est là parce que lui, le diamant, qu'est-ce qu'il fait? Ah, tabarnak! J'ai pas pensé, ça arrive du haut, pas du bas, cabochon! Merci pour les crottes de caribou. Oh, yeah! Oh, tiens, toi. Ah, oh, t'es pas mort. Tiens, t'es mort. Oh non, je le touche, ce petit cap. Yes, une sauvegarde. Facile, attends. Qu'est-ce que je viens de faire là, là? Pourquoi t'as fait ça, là? Je sais même pas y aller. Laisse-les, ça. Sauter direct dedans, colisse. Salut Charlie. Je suis rendu pas trop loin. Putain, qu'est-ce que tu fais?
Oh, tabarnak! Je vais se frapper avant de décoller. Non, je vais trop vite comme ça. Faut que je plane. Peut-être t'attends un stick qui descend. Ah oui. Ben laisse ça. Ah, il y a un trou, faut show it. Ah. Ok. Je peux pas juste monter, je viens de comprendre ça. J'aurais pu aller plus vite, ça me tente pas. Salut, Sushi, vous pouvez venir nous trouver sur Twitch. Ah, c'est beau ça. Je suis mort 75 fois, tabarnak. Oh non. Oh, colis. Ok, non, ok. Là, j'avais fait un double saut. Je peux pas faire des... Attends. Ah, y'a pas de double saut là-dedans. Oh, Bob l'éponge là-dedans. Ah! Arrête de faire ça!
Cabochon.com. Pas aujourd'hui, non. Moins à droite, à gauche. La misère, c'est autant de les deux en tabarouette. J'allais de voler à la place, parce que là, j'ai... La misère. Hey, t'es chez le Caribou, prends ta chaise, puis regarde-moi. Hein? Ne tente pas de tomber dans le vide. Ah ouais, comme ça. Calice. Je me réveille avec moins d'énergie que j'avais, ça c'est le fun. Oh, si je peux même plus y aller en plus. Ah, tabarnak, ok, ouais. Faut que j'aborde dessus. Rien arrive du bas, niaiseux.
Salut. Oh, Colin. Tiens, les deux ont venu là, bien sûr. Et tiens, toi. Réveille-toi. Des mêmes, moi, t'as des jeux de même, moi. Attendez, la boutique était derrière l'autre porte tout à l'heure. Oh, ça te perturbe. Que ma boutique soit connectée au monde entier, tu veux bien l'accepter, mais pas qu'elle puisse entrer à deux endroits distincts dans le même bâtiment, non. C'est incroyable. Besoin de quelque chose? Alors, c'est ça que j'aimerais, ça c'est important. Calé que je ne l'aurais pas, I guess. Ainsi, tu as réussi l'épreuve de la volonté. On va enfin pouvoir faire notre petit numéro. Prépare-toi, messager, et admire la puissance de notre ordre. Tu seras l'élu, ou tu ne seras plus. Ça suffit, les discours, j'y vais en premier. Ce qui peut être impatient. Je prépare ce discours depuis plusieurs décennies, et lui, il t'en remettra, allons-y. On doit se battre contre eux autres, c'est ça leur danse? Et lâche-moi. Oh, je peux monter sur lui? Que ça pour le tuer. Hein. Ouch, je suis presque mort. Bon, je vais pratiquer un peu. Là-dessus. Tu m'as manqué, hein? Oups.
Bon, allez. Ah, c'est vrai, là, je vais avoir 3 bars, là. Ah non, c'est... Phew. Je vais prendre une coupe de chat d'avoir réussi à le battre, j'imagine. Voyons, gap tout dessus. Ok, non, tu viens le dos des mains, pas le devant des mains, je vais comprendre. Ah. Ah là. C'est pas chiant. Oh shit! Il me suit, je savais pas qu'il me suivait. Non, qu'est-ce que tu fais? Tabarnak, faut chaud dans les airs, j'ai oublié ce parti-là. Shut up, toi. T'es rien. La gamique, c'est moi. Je ferai comme les autres. Ah, pas là. Non! Putain, faut que je m'éloigne de ces mains-là, là, c'ti.
Ah, j'aurais dû rester là. Tabarnak. Ok. Oh non, regarde où tu vas, sti. Il a changé sa manière, il m'a mêlé. Ah, puis là. Il bouge à cette heure. Il bouge! Je suis mort. S'il bouge, je suis mort. Calice, la tabarnak aurait pas dû rester grand chose tant que ça. Faut pas te perdre des vues stupidement au début. Oh tabarnak, j'ai oublié ce parti là. Ah, c'est chou. Oh non, plus. Ah ben là. Ah ben là. Utiliser mes étoiles non plus. Regardez comment ça gosse. Tabarnak, t'as oublié deux fois de suite, sti. Je m'attends à quelque chose d'autre, là, je m'attends à ça. Là, c'est pas ça.
Tabarnak, Rémi! On le trouve à place en dessous. C'est beau. T'as voulu être gourmand, t'as brûlé. Salut Big Ben. Ah, je sais que je vais le battre là, je sais pas. Oh non, pas ce... Ah non, c'est bon. Et c'est ce que je voulais faire, c'est bon. Bon. Fais pas le camp ici. Ah ouais, tu le fais, tu l'as fait, tu l'as fait. Hey, t'es chez Caribou, prends ta chaise, puis regarde-moi, hein!
Oh, il approche. Je te prie de bien vouloir respecter le cérémonial de la prophétie cette fois. Débrouillez-vous entre vous. Je refuse de jouer les arbitres. Ainsi, tu as réussi l'épreuve de la force. Et il y a encore beaucoup des épreuves. Afin d'accomplir la prophétie, tu dois réussir l'épreuve de la foi en faisant le grand saut. Le grand saut? Ouais, les grands sauts. Je comprends pas. Eh bien, c'est ça l'épreuve de la foi, le saut, le grand saut. Il n'y a rien à comprendre. Puisqu'on me dit de sauter, ça suffit, le moment existe. Exige un minimum de solennité, je sais pas trop comment. PLWM. Le moment est venu de mettre ton courage en service de l'espoir, de donner un sens à la force qui t'habite et d'embrasser son destin de messager. Oh! Qu'est-ce qui s'est passé là? Ah, c'est ça que c'est 8 bits de plus! Ah là, on est rendu en Super Nintendo, c'est ça, là? Voyage vers le futur. Un cabochon, c'est beau. Ah non, c'est là où je vais aller. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait le grand saut, je crois, et depuis tout a changé. Et c'est moi. J'adore ton chapeau. Non, vraiment, il te va très bien. D'accord, mais tu peux m'expliquer ce qui s'est passé? Pardon, c'est ton chapeau, je m'en remets pas. Besoin de quelque chose? Bienvenue dans les ruines célestes, vestiges d'une civilisation de géants qui vivait autrefois dans le ciel. C'est un endroit magnifique, mais ses fondations semblent fragiles. En effet, j'espère que tu n'as pas le vertige. Je suis à quelle hauteur? Dans mon estime? Ah, tu veux dire en géographiquement? Eh bien, tu es entré dans la tour du temps au sommet de la montagne et tu en es sorti tout en haut de la tour. Je dirais donc que tu es assez haut. Profite du panorama. Du panorama. Pourquoi tu t'as l'air si différent? Ah, je me demandais comment tu allais gérer les effets de voyage temporel. Je suppose que l'ignorance est une bénédiction. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais, dans la tour du temps. Eh bien, tu as été envoyé dans le futur. Sympa? Tout à fait sympa. De quoi tu veux parler? Une histoire utile? Une petite histoire à me raconter avec plaisir. Il était une fois un jeune garçon qui, bien pauvre et ne mangeait jamais à sa faim, cherchait toujours à venir en aide aux gens de son village. Un jour, comme il l'avait aidé à porter un lourd sac de blé, un vieil homme lui offrit une miche de pain. « Mange, mon garçon, t'as l'air bien mérité. Tu l'as bien mérité. » Commença-t-il, mais si tu as envie d'aider quelqu'un d'autre, tu trouveras dans la forêt deux gnomes encore plus affamés que toi.
La générosité du garçon semblait infinie et il n'en fallut pas plus pour le convaincre. Après une courte marche, il trouva les gnomes et il partagea la miche de pain avec eux, sans même en garder un morceau pour lui. « Merci, cher enfant, dit le gnome. Dragon, tu nous as débarrassé de notre malédiction. » En effet, afin de les punir de leur cupidité, un esprit leur avait jeté un sort pour le moins désagréable. Ils avaient dû s'exiler en forêt, emportant avec eux un petit moulin magique capable de produire tout ce que son porteur désirait. Mais ce petit moulin ne serait activé qu'à condition qu'un inconnu leur donne à manger par pure générosité. Mourir de faim alors qu'on possède un objet source d'abondance est un destin fort cruel. J'imagine donc la surprise du jeune garçon lorsqu'ils lui donnèrent l'objet magique. Prononce le nom d'une chose que tu veux en tournant la manivelle à droite et ce petit moulin en produira une quantité infinie, explique le gnome. Tourne-la à gauche et elle s'arrêtera. Après avoir créé un morceau de nourriture pour les deux gnomes, il retourna au village pour venir en aide à la population grâce à son nouveau pouvoir. Mais plus il gagnait en popularité, plus sa grande sœur était jalouse de lui. Une nuit excédée, elle déroba le petit moulin dans la table de chevet de son frère, ainsi que deux tartes qui restaient de leur festin de la veille. Et par-dessus le marché, c'est à bord du bateau de pêche de leur famille qu'elle partit vers de nouveaux horizons, impatient d'être à son tour l'objet de l'adoration de ceux qu'elle aiderait. Une fois en mer, elle décida de goûter à une des tartes et trouva qu'elle manquait d'un petit quelque chose. « Pourquoi ne pas essayer le moulin magique de mon... Donne-moi du sel !» s'exclama-t-elle, tourna la manivelle vers la droite. Et tabarnak. Du sel reçu, des tas et des tas. Hélas, elle ne s'est jamais donné la peine de regarder comment on arrêtait le moulin. « Arrête, petit moulin, arrête » cria-t-elle, d'abord angassée, puis inquiet et enfin complètement paniquée. Le sel envahit le bateau jusqu'à la faire déborder et couler sous son poids. On raconte qu'au fond des mers, le petit moulin fonctionne encore et qu'il est... la raison pour laquelle l'eau de mer est salée. Enfin, intéressant, mais on dirait une histoire pour enfants qui explique des choses quand c'est déjà... Hey, je vois que j'ai affaire à un public difficile et nous inversions les rôles. Raconte-moi une histoire et que je te dirais que j'en pense. Et si tu réfléchissais un peu. Par exemple, la sœur a payé le prix fort pour son méfait, d'où l'expression « l'addition est salée ». Ou alors, elle s'apprêtait à bouleverser le quotidien d'un autre village, d'où l'expression « ajouter son grain de sel ». Amusant, non? Mais tu serais bien d'y aller pendant ce temps. Je vais chercher d'autres morales qui aient un rapport avec le sel. De quoi tu veux parler? Je vais calisser mon camp. Tu viens d'où, Big Ben? Donc c'était tout pour aujourd'hui pour le jeu de Messenger, live sur la chaîne Caribou Canadien. Oh yeah!